allume le sampler. Le 13 juillet 1906, c'était entre 10h30 et 11h, lorsque mon identité fut échangée au prix d'un trésor. C'était le genre de découverte qui m'avait fait quitter la ruée vers l'or. C'était l'heure, je fus brisé, ma vie fut mise à nous sous mes yeux. L'esprit de Dieu est venu comme un brasier, embraser mon passé afin que j'embrasse mon avenir. Pour passer de l'amour à la vie depuis 1908, ce que je vis c'est bien plus que la moyenne. Je crois qu'avec son esprit en moi, il y a moyen de me faire entendre parmi les élites du mouvement. Ça fait bien un moment que je me prends le temps à prendre de l'élan, mais lentement et sûrement le jour du jugement me pousse à te prêcher l'évangile de la repentance. À vous connaître les mines, je m'en remets à Elohim afin que mes rimes coulent à flot pour abreuver ton corps, ton esprit et ton âme. Voilà ma mission, prêcher la parole avec la révélation afin d'être une lumière pour toutes les nations du nord, sud, est et ouest, pour que les gens connaissent le Dieu de la rédemption. Prêche la parole avec la révélation afin d'être une lumière pour toutes les nations du nord, sud, est et ouest, pour que les gens connaissent le Dieu de la rédemption. Vers les montagnes, j'ai l'impression que le mal gagne en hargne. Des bruits de guerre, des cris et des pleurs, des odeurs de mort, j'entends le son de la douleur. Le monde saigne, mais qui règne sur la terre, où ce sont les plus vicieux qui se marrent. Du téléstar à la télé-réalité, l'intelligence a laissé place au cerveau téléguidé. La télévision tue les neurones comme la cocaïne, empoisonne l'âme comme l'héroïne. Aucun de nos héros, y compris Al Gore, n'ont pu sauver la planète ni la rendre moins gore. Y'a guerre de changement, si ce n'est qu'aujourd'hui on se soigne mieux pour crever un peu plus lentement. Tu veux du changement, sera-ce Obama ou Christ qui nous sauvera au jour du jugement. Voilà ma mission, prêcher la parole avec la révélation afin d'être une lumière pour toutes les nations du nord, sud, est et ouest, pour que les gens connaissent le Dieu de la rédemption. Je prêche la parole avec la révélation afin d'être une lumière pour toutes les nations du nord, sud, est et ouest, pour que les gens connaissent le Dieu de la rédemption. Voilà ma mission.